Kosala musala malamu epesaka récompense na ndenge ya kusakana te botala ba journaliste ya presse parlementaire du Congo PPC en cycle bazalaki honoré mukolo ya lelo samedi 7 janvier 2023 awa na espace elle moi na commune ya Lingwala par vice-président ya UNPC président provincial ya ville province ya Kinshasa Jean-Marie Bassa na occasion ya conférence moko organisée par la presse parlementaire du Congo bipai wapi ba journaliste ebele bazalaki honoré na musala malamu oyo bazalaki durant année 2022 koleka na ndenge ya kosakana te bosimba yango boyebake conférence oyo ebandaki na mode ouverture oyo esalemaki epai ya président ya presse parlementaire Justin Kifuta na maloba ya président ya presse parlementaire Justin Kifuta a présentaki situation parlementaire nyonso en général Simana yango invité d'honneur honorable scolastique Moindo Azwaki Maloba oyo atalisaki ndenge nini diront session parlementaire ya septembre elekaki bipai wapi ba député ba votaki bongo ba loi ebele mingi mingi ezalaki bongo session budgétaire après restitution ya honorable scolastique ba journaliste ya presse parlementaire ba honoraki ye na ko remettre ye lisusu brevet de mérite na musala oyo ya makasi makasi ya uchi kosala na session budgétaire wapi honorable scolastique asepelaki makasi na ndenge ya kosakana te Simana yango vice-président provincial ya UNPC ya Kinshasa Jean-Marie Bassa azwaki maloba oyo atondisemaki esengo makasi na musala makasi oyo presse parlementaire bauti bongo kosala durant l'année 2022 pe vice-président provincial ya ville province ya Kinshasa ya UNPC Jean-Marie Bassa atalisaki ba journaliste ndenge nini fonctionnement esengeli ezala surtout na ba terrain pe na ba vis-à-vis ya ba autorité cérémonie oyo esalemaki avec impact na idéologie esali eloko te Ok, c'est pas grave, c'est pas la conférence sur ça. Mais déjà, je suis pas content qu'il y ait plus de filles, plus de garçons que de filles. J'aurais bien voulu que ce soit comme 50-50. Donc, aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, je commence par présenter mes vœux. Mes vœux les meilleurs pour 2023, pour tout le monde. Mais surtout pour les filles. Merci. Bon, que Dieu bénisse aussi les garçons. Hein? Voilà, donc là, je crois qu'on va juste parler un peu de la restitution de la session passée, la session de septembre, la session parlementaire passée. Moi, je suis l'honorable scolastique Victoire Maindo, député national élu de Basoko. Basoko, c'est dans la province de la Tchopo, comme les gens connaissent, dont le chef-lieu est Kisangani. Donc je suis député de Kisangani. Mais dans l'un des territoires, la province de la Tchopo a ses territoires, dont le territoire de Basoko, et je suis donc élu de Basoko. En ce qui concerne la session parlementaire 2022, septembre 2022, j'avais dit à M. Justin, j'ai dit, M. Lembi avait déjà fait une conférence de presse, un point de presse, et je crois qu'il avait déjà donné tout ce qu'il y avait comme synthèse de cette session. Moi, je vais juste rappeler, et je pourrais peut-être répondre à une question ou deux, parce que comme je l'ai dit, ce sont c'est un élément qu'on peut trouver normalement sur le net, et je suis même sûr que vous avez déjà eu ça. Alors, je rappelle que la session de septembre, elle est dite généralement session budgétaire. Et donc, ça fait que nous avons eu à travailler, nous avons eu à traiter beaucoup de propositions de loi et de projets de loi. Mais comme c'est une session budgétaire, donc nous sommes plus focalisés sur le budget. Le budget de cette année, tel que proposé par le gouvernement, c'était un budget de 14 milliards quelque chose.
Mais après avoir travaillé, et nous, et nos collègues de du Sénat, finalement, le budget qui a été retenu est de 15 milliards 800 millions de dollars américains, équivalent. Donc c'est ainsi que nous disons tout le temps, le budget de cette année, donc disons le budget budgétaire de l'année prochaine 2023, c'est donc un budget qui approche de 16 milliards. Ce qui est donc, je peux dire, c'est un record depuis qu'on est là, depuis l'année 60. 1960, la RDC n'a jamais eu un budget aussi colossal. Et donc nous espérons tous qu'avec ce budget, justement, puisqu'il y a eu l'augmentation des budgets pour tous les secteurs, en tout cas, il n'y a pas un secteur qui n'a pas eu d'augmentation, il y a eu l'augmentation de 20, 30, 40, 50, même 100% par endroit. Et donc vraiment avec cette augmentation budgétaire, nous espérons que les conditions de vie des Congolais et des Congolaises, les conditions vont s'améliorer. Donc cette session, nous avons eu bien sûr donc, à adopter cette loi budgétaire. Nous avons aussi adopté la loi sur la réduction des comptes. Nous avons aussi adopté la loi sur... il y a la loi budgétaire elle-même. Il y a la réduction des comptes aussi. Et il y a une autre loi que nous faisons là sur les budgets. Donc c'est l'ajustement du budget pratiquement, comme on dit là, donc sur, pour 2022. On a fini les questions du budget, mais ça c'est pratiquement à la fin. Sauf que pour nous, comme on dit, c'est session budgétaire, ça fait qu'avant que nous puissions clôturer le budget, la session, il faut absolument qu'on puisse travailler sur le budget et être sûr de ce qu'on va voir l'année prochaine. Donc ça a été fait pratiquement à la fin. Mais bien avant ça, je peux dire que nous avons eu au total, je crois nous avons eu 34 séances plénières. Nous avons eu 6 fois la prorogation de la loi sur sur l'état des sièges dans une partie du territoire, donc pour les territoires de Ituri et pour la province de Ituri et pour la province du Nord-Kivu. Ça a été fixé 6 fois parce qu'on fait la prorogation toutes les 2 semaines. Donc comme la session, c'est une session donc, de 3 mois, donc nous avons eu la prorogation 6 fois. Nous avons aussi adopté la loi sur l'habilitation du gouvernement. Ça veut dire pendant que nous partons en vacances parlementaires, il y a certains actes qui nécessitent nécessairement notre aval, qui nécessitent que nous puissions adopter et autoriser. Donc pendant cette période, comme là nous sommes déjà pendant les vacances parlementaires, il y a des actes que le gouvernement pourra donc prendre. Donc on appelle ça la loi d'habilitation du gouvernement, ça a été fait aussi. Nous avons eu à travailler, nous avons adopté 24 proposition de loi et projet de loi. On appelle projet de loi quand c'est une loi qui a été proposée par le gouvernement et proposition de loi si c'est une loi qui a été proposée par nous-mêmes, les parlementaires, par une commission ou par un député. Donc ça c'est proposition de loi. Mais quand ça vient du gouvernement, ça c'est projet de loi. Donc nous avons eu comme ça au total 24 qui ont été adoptées. Et puis nous avons eu aussi des lois qui sont actuellement en commission, ça veut dire on les a présentées, on a fait le débat général, mais pour finaliser, parce qu'il y a quand même il y a des ajustements, il y a des amendements et des observations, donc ça nous avons aussi des lois qui sont maintenant dans les commissions. Nous avons 6 lois qui sont actuellement en commission. Nous avons eu une loi qui a été rejetée, pas sur la transplantation des organes, des tissus ou des cellules du corps humain. Cette loi-là a été rejetée. Et puis, donc, en ce qui concerne la loi, je crois que c'est tout. Nous avons eu en ce qui concerne, parce que vous savez que le rôle des parlementaires, au niveau de l'Assemblée, là, nous avons 3 rôles, 3 missions. Nous devons bien sûr légiférer. Nous avons le contrôle parlementaire. Et puis, nous avons bien sûr maintenant les intérêts, tout ce qui concerne la communauté. Donc, nous devons travailler pour. Nous devons amener le gouvernement, nous devons faire des plaidoyers auprès du gouvernement ou des institutions spécialisées, des institutions qui sont habilitées pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de la population. C'est là que nous amenons donc les desiderata de nos communautés. Donc tout ce que je viens de dire ici, ça concernait donc notre rôle de légiférer, ça concernait les activités qui sont législatives. Et là maintenant, dehors de ça, pour le contrôle parlementaire, il faut dire qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu beaucoup de contrôle parlementaire pour la session passée. Parce que je pourrais dire que c'est une session qui était différente des autres sessions. C'est une session où nous avons beaucoup travaillé dans des commissions.
Et donc, en ce qui concerne le contrôle parlementaire, on a reçu quelques ministres. Et puis, nous avons eu une motion de défiance qui était lancée contre le ministre du Transport et des Enclavements. Et cette session et cette motion avaient été rejetées. Donc, vous savez que c'était le ministre Chérubin, ministre des Transports à ce moment-là. Et donc, la motion qui était formulée contre lui, cette motion avait été rejetée. Qu'est-ce que nous avons encore fait d'autre? Nous avons eu, du point de vue sécuritaire, nous avons formulé une recommandation. Notre recommandation a été que désormais, nous ne voulons plus, nous n'autorisons plus, nous n'accepterons plus que dans notre pays, quand il y a les guerres ou quand il y a des conflits, que les belligérants ou que les animateurs de ces différentes guerres, qu'on puisse passer comme par le passé, qu'on fasse des brassages ou les mixages. Avant, quand il y avait les guerres, je reviens sur le M23, je reviens sur le CNDP et les autres groupes, les groupes armés, ce qu'on faisait, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a terminé le conflit, après plusieurs négociations, on prend leurs, je ne sais pas si vous les appelez leurs militaires, en tout cas, leurs animateurs, on les intègre dans notre armée et généralement, on les laisse là où ils étaient, on les brassait, on les mixait, ils restaient toujours dans l'équipe là-bas. Cette fois-ci, au niveau du Parlement, nous avons dit ça, c'est terminé. Plus jamais un rebelle ne peut terminer sa rébellion puisqu'on a négocié ou on a fait quoi que ce soit et qu'il puisse maintenant entrer, intégrer l'armée. Donc on n'aura plus de brassage, on n'aura plus d'intégration, on n'aura plus de mixage. Ça, c'était une recommandation très très forte qu'on avait eue et que nous avons beaucoup appréciée. Moi, je dis toujours, pour moi, c'est la meilleure recommandation que finalement nous avons eue quand même pour le pays, parce que là, ça montre quand même la souveraineté, parce que je crois que ce n'est pas normal qu'on puisse se révolter contre son pays, qu'on puisse tuer les gens, et puis le matin, vous revenez pour dire non, nous réintégrons encore le même groupe. Et ça, c'est quelque chose que nous avons pu faire qui n'était pas bien. Donc ça, c'est du point de vue sécuritaire. Ce que j'avais dit avant, c'était donc du point de vue législatif. En ce qui concerne les femmes, pendant les périodes de guerre, vous savez que dans notre pays, il y a quelques années, il y a donc des décennies, même parce que nos guerres ont déjà fait des décennies, pendant ces décennies, depuis au moins deux décennies, ici en RDC, pendant les guerres, les rebelles ont toujours utilisé la violence, je pourrais me dire le viol comme arme. Ce qui fait que il y a quelques années, notre pays était réputé carrément, les gens appelaient ça, c'était les capitales du viol. Les femmes qui ont été violées, il y en a effectivement qui ont été réhabilitées par des mécanismes qui n'étaient pas nécessairement officiels, parce que chez nous, chaque fois qu'il y avait viol, nous avions bien sûr le gouvernement qui avait mis en place certains mécanismes, nous avions vraiment des organismes internationaux qui intervenaient un peu plus pour pouvoir réhabiliter les femmes, que ce soit la réhabilitation médicale, donc physique, que ce soit la réhabilitation sociale, psychosociale, et encore la réhabilitation matérielle. On faisait toujours tout pour qu'on puisse les réhabiliter dans la société. Mais là, on n'avait pas une loi spécifique pour la réparation. Donc, avec les lois qui étaient là contre les violences faites à la femme, il y a eu les stratégies sur les viols. C'est une stratégie, comme j'ai dit, qui a été mise en place par les Nations Unies. Donc il y a eu beaucoup de lois, même de lois sur le genre, mais toutes ces lois-là n'arrivaient pas à réparer vraiment des préjudices subis par les femmes. Et donc cette fois-ci, dans la session passée, on a eu une loi sur ça. Pour que les femmes qui avaient été violées, et ces femmes-là, et les autres victimes qui étaient associées d'une manière ou d'une autre, et leur famille, qu'on puisse finalement quand même les réhabiliter, qu'on puisse réparer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important pour les femmes. Ça avait été fait. Donc désormais, nous savons que si aujourd'hui il y a des viols, c'est les victimes de ces viols peuvent s'associer, parce qu'il y a maintenant une loi qui est mise en place pour pouvoir accompagner ces personnes-là, et puis comment est-ce que ces personnes peuvent être réhabilitées pour réintégrer la société avec tout le respect et avec dignité. Nous avons eu encore aussi une loi, un projet de loi qui jusque-là n'est pas encore non plus terminé, qui est encore dans les commissions. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, la planète entière est en danger si nous ne prenons pas des mesures sévères, si nous ne nous engageons pas suffisamment sur les questions environnementales. Et vous savez que notre pays est appelé pays solution. Pas parce que juste on a envie de dire que c'est pays solution, mais c'est parce qu'en RDC, nous avons
de manière naturelle. Donc le Seigneur nous a pourvu des ressources qui peuvent faire que nous puissions réduire ou nous puissions agir de manière significative sur les questions environnementales, comme j'ai dit, surtout en ce qui concerne le réchauffement climatique, sur le changement climatique. Et donc, pendant que nous sommes en train de présenter l'association de la RDC partout, et pendant que le monde retient que ce sont les arbres et les tourbières qui peuvent donc agir de manière plus significative pour réduire les gaz à effet de serre, eh bien la RDC jusque-là n'avait pas encore une loi qui pouvait donc permettre que nous puissions agir, nous positionner correctement dans notre rôle des pays solutions, que nous puissions nous positionner par rapport aux questions de conservation de la nature, de conservation des forêts. Et donc ça signifie que malgré le fait qu'aujourd'hui il y a le marché carbone pour qu'on puisse réduire les gaz à effet de serre, la RDC n'avait pas encore légiféré. Donc le carbone de la RDC, la conservation des forêts de la RDC, ça se faisait, mais je peux dire que c'était comme de manière presque illégale ou de manière, on appelle ça de manière volontaire plutôt, de manière volontaire. Ça veut dire que nous n'avions pas encore de loi qui pouvait régir pour dire désormais, si nous voulons aujourd'hui acheter si aujourd'hui nous voulons acheter entre guillemets la forêt de conservation pour qu'on puisse réduire les gaz à effet de serre, qu'on puisse avoir autant de carbone, ainsi de suite, qui peuvent être emmagasinés pour chaque puits de carbone, voilà normalement ce que la loi de la RDC dit pour que nous puissions rester dans les normes. Donc ça fait que les gens pouvaient donc le faire de manière, c'était de gré à gré pratiquement. Donc chaque communauté pouvait le faire, et puis l'entreprise qui vient proposer, il propose ce qu'elle peut proposer, vous acceptez, et puis les choses se passaient telles que ça pouvait se passer, on pouvait verser au pays, au gouvernement ou à l'État ce qu'il fallait verser, mais vous voyez, on n'avait pas une loi qui pouvait régir ce secteur-là. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi, pour dire que maintenant, donc dans la session passée, il y a eu une modification de la loi qui avait été faite en 2011. Cette loi-là ne tenait pas compte non plus de ces questions de réchauffement climatique. Donc il y a actuellement un projet de loi qui est en commission, dans la commission environnement et ressources naturelles. On a en train de travailler là-dessus. Je crois que à la session prochaine, ça sera passé. Mais déjà, il faut savoir que la RDC travaille déjà aussi sur ça. Les questions foncières a même été adoptées, parce que vous savez très bien qu'il y a trop de conflits. Des conflits fonciers, surtout dans des communautés. Ici, peut-être on en trouve. Et à Kinshasa, c'est plus les maisons qui sont à Kinshasa, ici, c'est moins les habitations. Mais il y a des vrais conflits, des conflits fonciers encore intenses dans les milieux ruraux, dans nos communautés. Donc, il fallait aussi travailler là-dessus. Il y a aussi la loi sur les établissements, les crédits, la loi sur le blanchiment des capitaux, les lois sur la santé. Donc vraiment, je peux dire que cette année, les lois qui ont été adoptées, c'était des lois vraiment qui ne peuvent pas ne pas améliorer les conditions de vie de la population. C'était des lois en rapport avec le secteur social, comme je l'ai dit. Il y a eu des lois en rapport avec le numérique. Nous savons que notre pays, enfin dans le monde entier aujourd'hui, tout est numérisé. Nous avons une fracture numérique très très importante. Nous sommes donc vraiment en retard par rapport à d'autres pays. Mais quand même, on ne peut pas dire que nous, en RDC, nous sommes encore seulement dans les pratiques traditionnelles. Non. Nous aussi, nous sommes entrés dans le numérique. Mais on n'avait pas de loi là-dessus. Nous avons tout un ministère sur le numérique, mais on n'avait pas de loi non plus. Et là aussi, on a travaillé là-dessus. On n'a pas encore fini ça, ça se trouve actuellement en commission. Donc, il y a comme ça cette loi-là qui est encore là. Et dans des commissions, il y a aussi beaucoup de commissions qui ont travaillé. 5 commissions qui se sont vraiment distinguées, je pourrais dire, parce qu'ils ont, fait du bon travail. Ils ont travailler plus. En premier lieu, nous avons la commission aménagement du territoire. NTIC, c'est quoi, nouvelle technologie de l'information. Dans cette commission-là, moi, j'y siège aussi. Et là, dans cette commission, nous avons eu 14 auditions. Nous avons auditionné 9 ministres et nous avons auditionné 5 DG. Nous avons auditionné les DG de la RTNC. Malheureusement, on l'a auditionné pendant qu'on attendait qu'ils viennent nous donner les réponses. Il y a eu remaniement, comment on appelle ça chez eux là. Il y a eu une nouvelle mise en place des mandataires. Donc malheureusement, on ne l'a pas retenu, mais nous on l'avait auditionné. Et dans la commission d'aménagement, on a eu à auditionner aussi les DG des SCPT, Ex-Sumatra.
je ne cite pas tout le monde, mais quand même quelques-uns. On a eu aussi auditionné les DG des SCTP, au poste de télécommunication. On a auditionné aussi d'autres DG. On a auditionné les ministres du plan. On a auditionné les ministres des mines, je crois aussi. Là-bas, c'était juste les ministres. Il y a eu les ministres du plan, il y a eu les ministres du transport, il y a eu en tout cas beaucoup de ministres aussi qu'on a eu à auditionner dans l'aménagement du territoire. Dans la commission environnement, on a eu à auditionner les ministres du plan, les ministres d'agriculture, les ministres des mines, les ministres du développement rural. Et donc, on a eu à auditionner aussi beaucoup de ministres là-bas. Là-bas, on a auditionné, je crois, 6 ministres. Et aussi quelques DG. Il y a eu même des institutions qu'on ne connaissait pas. Mais vous voyez, quand vous auditionnez un ministre, il parle de ses différents services. Vous auditionnez un service, il parle des autres établissements. Et donc, ça pouvait comme ça faire, par exemple, que vous puissiez auditionner rien que pour le secteur des mines. On a eu à auditionner vraiment beaucoup d'institutions. Donc, il y a eu le ministre qui a parlé d'autres institutions. Et nous avons eu à auditionner pratiquement tout ce genre. Il y a eu la commission défense et sécurité qui a auditionné les ministres de la défense. Et donc, je disais qu'il y avait 5 commissions qui avaient donc travaillé. Et donc, comme je l'ai dit, vraiment, les gens ont beaucoup travaillé lors de la session passée parce que chaque commission avait quelque chose à faire, chaque commission a auditionné parce qu'on s'est rendu compte que quand nous faisons les appels, nous faisons les questions orales avec débat, les ministres viennent, mais on n'a pas beaucoup de temps pour poser de questions. Parfois, vous êtes à 76, on écoute juste 20 personnes, puis on dit non, vraiment, c'est bon comme ça, je crois qu'on peut arrêter là. Mais quand vous êtes dans les commissions, toutes les questions sont posées. Les ministres que vous auditionnez ou les DG, ils peuvent donner toutes les réponses. Si on n'est toujours pas totalement satisfait, on les envoie encore dans les sous-commissions qui sont mises en place. Donc, vraiment, je peux dire que. La session passée, on a abordé beaucoup de questions. On a abordé, il y a des questions donc, qui ont touché pratiquement tous les secteurs. Nous avons travaillé même dans le secteur du transport avec la loi sur l'aviation civile. Parce que là aussi, comme nous étions toujours dans des listes noires tout le temps dans notre pays, donc il y a eu comme ça des améliorations. Je me dis, cette session est finie. Nous sommes maintenant en vacances parlementaires. Nous repartons chacun dans sa communauté pour aller. D'abord pour faire la restitution que je suis en train de faire ici, mais aussi pour écouter la population. Maintenant, comme nous sommes en train d'aller vers les élections, donc là aussi, effectivement, nous avons il y a beaucoup de travail à faire pour aller encourager la communauté à s'enrôler. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais déjà, il faudra dire que pendant que nous étions en session, il y a eu, en ce qui concerne les élections, il y a eu justement les calendriers des élections, les calendriers pour l'enrôlement d'abord. Donc nous savons que maintenant, il y a l'enrôlement qui a commencé dans l'ère organisationnelle 1. Et en janvier ici, ce sera l'ère organisationnelle 2. Et puis en février, ce sera pour l'ère organisationnelle 3. Et donc, tout ce qui doit accompagner tout cet enrôlement-là a été mis en place. Et à chaque niveau, nous pouvions aussi donner notre point de vue. Et toujours en ce qui concerne la session qui est passée, j'ai oublié de parler de la question des droits de l'homme. Il y a eu deux aspects qui concernent les droits de l'homme. D'abord parce qu'il y a une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Les femmes qui sont ici, sachez que dans cette loi-là, il y a une question, et on a mis l'accent sur les femmes aussi, les femmes qui sont défenseurs des droits de l'homme, elles ne peuvent pas être victimes de menaces ou de quoi que ce soit, parce que déjà, tout le temps, on menace les femmes. Et donc, quand la femme commence encore à protéger ou à parler sur le droit de l'homme, généralement, cette femme a été attaquée. Donc, dans cette loi-là, il y a eu un accent qui a été mis sur la défense des femmes qui travaillent dans le droit de l'homme. Donc il y a la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et puis au niveau donc, du Parlement, au niveau de l'Assemblée, nous avons eu à valider les personnes qui ont été les animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Ça a été fait aussi. Ça a été fait pratiquement à la fin de la session. Donc comme j'ai dit, je ne sais pas quels sont les secteurs qui n'ont pas été touchés, mais en tout cas, la plupart des secteurs ont été touchés. Et je crois que si aujourd'hui on évalue cette session par rapport à d'autres sessions, c'est vraiment l'une des sessions les plus productrices des travaux que font les parlementaires. C'est ce que nous avons fait pendant cette session. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, parce que vraiment vous m'avez pris comme ça. Ah, du coup, j'ai dû courir et donc venir. J'ai pas eu le temps de. Ma présentation, elle est là, elle pouvait être plus longue, mais bon,
par rapport au temps, je pensais que je pouvais partager avec vous ce que je viens de partager avec vous. Et je vous remercie. Suivi attentivement, vous êtes député élu de Bassoko, vous êtes du parti MLC. Il y a des enrôlements, l'enrôlement, l'opération d'enrôlement a déjà commencé et ça et là on décrit la qualité et même la quantité abattue par la CENI. Avez-vous un mot à dire par rapport à ces opérations puisqu'il y a une opinion qui soutiendrait qu'on puisse rompre avec ces opérations et recommencer plus tard. Quelle est votre position par rapport à cette idée? Merci. Chaque fois, on a eu à reporter pour les ou encore à décrier le fait qu'il y avait glissement ou risque de glissement. Mais cette fois-ci, quand même, jusque-là, on s'est dit non. On va tout faire pour qu'on aille aux élections. Donc, si nous disons aujourd'hui, nous voulons annuler pour pouvoir recommencer plus tard, mais on aura du retard. C'est-à-dire que là, dès le départ, il y a les gens qui ont. Donc, il y a les germes de la recherche des glissements déjà dès le départ. On ne voudrait pas. C'est pour ça que vous voyez, nous, on avait déjà travaillé sur la loi électorale avant. On a terminé la loi électorale et la CENI est prête pour que nous puissions s'enrôler aujourd'hui. Seulement, je me dis, c'est vrai que nous sommes de l'ère. Nous sommes de l'ère 3. Donc nous, la province de la Tchopo et les autres provinces comme Bazuélé, Otuélé et Ituri, nous allons nous enrôler nous en février. Et donc maintenant pour ceux qui se sont enrôlés maintenant, c'est vrai que nous entendons que les gens sont en train de décrier la qualité de la carte. Je crois que ce que les gens déplorent le plus, c'est que les photos sont en noir blanc. Mais ça, ce n'est pas vraiment un problème. Même dans d'autres pays, sous d'autres cieux, je prends la France, leurs cartes, les photos sont en noir et blanc. Donc je crois qu'on ne devait pas vraiment décrire le fait que les photos sont en noir et blanc. Moi, je n'ai pas encore eu ma carte, donc je ne sais pas comment. Mais au moins, je peux dire que si c'est juste parce que c'est noir et blanc, ça, ce n'est pas un problème. Si on est capable d'identifier, de vérifier l'identité de la personne, je crois que c'est ce qui est important. Aussi, on doit dire à tout le monde que les cartes là sont plus sécurisées que toutes les autres cartes d'électeurs qu'on avait eu avant. Donc à part le fait qu'il y a les empreintes digitales, il y a le fait qu'il y a la photo, il y a le fait qu'il y a l'iris, et puis il y a le QR. Donc je me dis, tout ça là réuni, ça fait que la carte, elle est plus sécurisée. Bon, je me dis, de toute façon, ces cartes-là, on n'affiche pas ça comme ça quand on circule, donc c'est seulement pour les élections, parce que je crois que cette fois-ci, les cartes que nous allons avoir, les cartes d'électeurs, ne seront pas les cartes d'identité, parce que si je ne suis pas trompé, je crois qu'il y a les opérations des... Oui, il y a le NIP qui va donc se mettre en branle, je crois, au mois de mai. Et donc, c'est bien possible que nous puissions cette fois-ci avoir les cartes d'identité en dehors des cartes d'électeurs. Donc, moi, je me dis, les cartes d'électeurs vont servir juste pour que nous puissions aller au vote. Donc, moi, je demande à mes frères et à mes sœurs de ne pas se faire des soucis, qu'on ne puisse pas annuler, qu'on ne puisse pas reporter, que nous continuons pour que nous ne puissions pas avoir les glissements et qu'on ne puisse pas avoir des problèmes. Il y a la lenteur. Ben, il faut qu'ils s'habituent. Oui, c'est vrai que nous n'avons qu'un seul mois. Nous avons tous déploré le fait que cette fois-ci, le calendrier tel qu'on a proposé, effectivement, le temps est très très court. Nous avons déjà dit ça au niveau de la CENI. Tous les parlementaires nous avons dit à la CENI, le temps qu'on nous laisse, un mois, c'est trop peu. Parce que les autres fois, c'était 3 mois. Maintenant, c'est 1 mois, alors que les infrastructures ne sont pas réhabilitées, alors que nous pouvons avoir la pluie à certains endroits, alors que nous avons des zones en insécurité dans d'autres endroits. Tout ça, ça a été... on avait déjà rendu tout ça au niveau de la CENI. Nous ne savons pas comment on va faire, mais pour le moment là, il faut que nous puissions continuer au moins jusqu'à la fin, que nous puissions aller plus vite. Et nous pensons vraiment que la CENI va s'améliorer, que ses animateurs vont s'améliorer pour que dans chaque heure, qu'on puisse terminer à temps.
J'ai aimé la part des choses que vous avez établies entre un projet de loi qui vous dit être une loi proposée par le gouvernement et une proposition de loi qui est une loi élaborée par un membre du Parlement. Alors, je voudrais savoir quelle est la place d'un commun des mortels dans l'élaboration de la loi, dans la proposition de la loi au Parlement. Est-ce que nos lois, en tant que commun des mortels, sont aussi reçues par le Parlement? C'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport au rejet de la motion qui a été formulée contre Chérubin Okende. Ce rejet est à l'heure actuelle suivi de sa démission volontaire du gouvernement. Quelle est votre analyse en tant que parlementaire? Parce que vous avez aussi en charge le contrôle du gouvernement. Je parle, merci. Chaque communauté est représentée par un député. Donc, vous, commun des mortels, si vous avez des propositions, vous avez des questions, des préoccupations comme ça, c'est des choses justement qu'il faut régler avec votre député. Qui, si vraiment vous avez travaillé dans la communauté, votre député est venu pendant les vacances parlementaires, et même quand on n'est pas pendant les vacances parlementaires, nous sommes toujours accessibles. Moi, mon numéro de téléphone, par exemple, tout le monde, les gens de ma communauté, parfois m'appellent même à 3h du matin, comme nous, c'est à l'intérieur, avec les décalages horaires là. Mais ils appellent n'importe quand. Donc, nous sommes accessibles. Une fois que vous avez discuté, vous avez parlé avec votre représentant, justement, qui est au Parlement, mais c'est votre représentant maintenant qui va donc prendre ça, formuler ça, s'il faut les formuler en proposition, eh bien, votre représentant peut donc formuler cela en proposition de loi pour pouvoir amener, que ça puisse suivre les chemins qu'il faut. Non, ça, c'est porté par votre député. Par votre député. Oui, c'est ça. Donc, la deuxième question, c'est sûr. Pour ce qui concerne. Oui, pour ce qui concerne. Non. Je peux dire que quand on avait la motion, ça avait été formulé pour lui, voilà, il y avait une compétence, il y avait et les éléments qu'on lui reprochait. Mais ça a été rejeté parce que la majorité des parlementaires n'ont pas pensé qu'il y avait des éléments là-dessus, que ce n'était pas vrai. C'est pour ça qu'on a rejeté. Maintenant, quand lui-même, il démissionne volontairement, ce n'est pas en rapport avec son compétence, ce n'est pas en rapport avec cette motion-là. C'est vraiment deux contextes qui sont différents. Voilà. Je m'appelle Gaëlle Devia, je suis membre de la presse parlementaire. Vous venez de nous étaler la synthèse de vos travaux du déroulement de la session qui vient de s'achever. J'ai deux préoccupations. Quel bilan dressez-vous pour la session qui vient à peine de s'achever? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous avez pu balayer tous les travaux prévus pour cette session dite budgétaire? Il y a des lois qui ont pris des sessions et des sessions qui n'ont toujours pas été adoptées. Parce que parfois ça demande plus de recherches, ça demande plus de comparaisons, ça demande plus d'éléments, ainsi de suite, pour être sûr que vraiment tout a été couvert et qu'on a fait la recherche documentaire et tout ça, et que tout est parfait. Donc là, vraiment, comme je venais de dire que parmi les sessions, s'il faut comparer les sessions, ça c'est l'une des sessions qui a produit le plus de lois qui ont été adoptées et même qui a donc, déjà on a eu plusieurs, nous avons eu, je crois, plus de trentaines sessions plénières. Et donc avec tout ce qu'on a fait dans les commissions, moi je peux vraiment vous dire, alors sans froid aux yeux, que cette session ici, les bilans étaient positifs. Séminaire pour l'honneur qu'ils me font de venir plancher devant vous sur le sous-thème de l'éthique et de la déontologie journalistique dans notre pays. Cet honneur réjaillit naturellement sur l'Union de la presse du Congo et la commission de la carte que moi-même je préside. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez bien, l'éthique et la déontologie constituent
le fondement de la pratique professionnelle dans tous les domaines. Il en est donc de même pour la pratique et la vie médiatique. Cependant, très souvent, nous évoquons ces deux termes qui donnent l'impression d'être semblables, sans en connaître l'essence réelle. C'est ainsi qu'avant d'aller plus loin dans ma communication, je vais les examiner brièvement, de manière à permettre aux participants à ce séminaire d'avoir une perception exacte des notions d'éthique et de déontologie, de différencier les deux termes et de mieux les intégrer dans la profession journalistique. Je commence avec l'éthique. L'éthique peut se distinguer de la morale, comprise comme l'activité de choisir, de décider, de juger, de justifier et de défendre les conduites, pendant que l'éthique étudie comment doivent se faire les choix moraux. En d'autres termes, l'éthique peut être définie comme l'art de diriger la conduite humaine en tenant compte, en conscience, de valeurs en jeu. Elle se réfère aussi au produit d'une réflexion portant sur les valeurs, afin de les critiquer, de les renouveler, c'est à la mesure des changements que la vie quotidienne fait émerger. L'éthique est une démarche visant, face à un problème donné, à adopter la meilleure solution en s'appuyant sur des valeurs apprises, admises et intégrées, et en tenant compte du contexte dans lequel les problèmes se posent actuellement. Elle est, enfin, une discipline de la philosophie qui a pour objet les principes moraux guidant la conduite d'un individu, d'un groupe. Actuellement, l'éthique désigne une morale sectorielle liée à un domaine, par exemple, l'éthique écologique. Il y a l'éthique biomédicale, il y a l'éthique de la guerre, il y a l'éthique des affaires. Tandis que l'éthique appliquée touche aux différents domaines de la vie, comme éthique professionnelle, éthique organisationnelle, éthique environnementale, éthique sociale, éthique politique. Ça, c'est en ce qui concerne l'éthique. Et nous avons la déontologie. Le terme déontologie désigne l'ensemble des devoirs, des obligations imposées aux membres d'un ordre, d'une association professionnelle. C'est le cas de règles des droits, des règles de déontologie qui s'appliquent de manière identique à tous les membres du groupe dans toutes les situations de la pratique. Une autorité est chargée de les faire respecter et d'imposer les sanctions en cas de dérogation. Mesdames et messieurs de la presse, la déontologie, un terme dérivé du grec déon, déontos, le devoir, et legos, le discours, est la théorie des devoirs moraux et l'ensemble de règles de conduite que l'homme doit respecter à l'égard de la société en général. Dans un sens moins technique, est plus répandu aujourd'hui. La déontologie désigne l'ensemble des devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier. Cet ensemble de devoirs peut être formalisé par les instances dirigeantes ou représentatives d'une profession sous la forme d'un code. La différence entre ces deux notions, donc éthique et déontologie, réside dans le fait que la morale renvoie aux mœurs telles qu'elles sont pratiquées et la notion d'éthique est le souci de fonder une morale.
le nom de l'impression que nous avons dit que le parlementaire, le journaliste, va intéressé à la restitution. Il y a une restitution officielle et celle qui est déjà, il parle honorable Lembi. Mais il y a quand même un peu plus de commentaires pour nous. Il y a une occasion poser la question sous le lobby. Mais il y a effectivement que le journaliste va comprendre bien, va retenir la session passée. Pour bango nde ba la population ba 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 informer la population na ba détail ya ngona mona ke effectivement intérêt na bazaki na ko yeba makamne le kaka na session passée ezaki malamu pourquoi bazaki na intérêt na remercier ba on peut na féliciter bango bon ba pe sera diplôme na CP na bi oh donc ba ba landa nga ba ba mona kana bango gape na kumi sika nzamba na kumi sinza mais na pe merci pas seigneur na pe merci pas na MLC pas na président na biso Jean-Pierre Bemba pour na za député ya il y a MLC donc n'a pas si merci pas na présent monsieur Japé ben Magombo pour nandila na ye dès l'opportunité na juste pour na intervenir capo batma mon ngai donc na remercier mingi ba journaliste na lobby madame Lokola ba moninga nza pa mbola bango na lobby ba ko bandengwa na komona pe batu mususu ba continuer ko encourager biso ne ngona pota ngo sali kambo batu bazo encourager lobby a epesa sou makasi epesa sou posa po na parce que donc soki na lobby na ba journaliste tam sou bazo mon ngai pe de susu. Donc, ils ont une responsabilité pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi, n'y ait pas de sachant qu'ils ont besoin d'analyser, besoin de l'écambango. En tout cas, on a remercié et on a félicité surtout ma journaliste, Bako Bakagandengwana. Ah là, c'est un lingala. Ah, d'accord. Oui, j'ai dit, c'était pour moi, c'est. Je suis contente, je me dis, je me réjouis que les journalistes puissent avoir un intérêt sur. Ce qui s'est passé sur les activités de la session passée, parce que c'est eux qui continuent à informer la population tout le temps, tous les jours, et qui doivent donc mieux comprendre les éléments qui ont été, les activités qui ont été traitées, les lois qui ont été votées et tout, parce que quand ils doivent le rendre à la population, ils peuvent le rendre de plusieurs manières et en utilisant peut-être plusieurs langues et plusieurs supports. Donc c'est important qu'ils comprennent mieux la restitution de ce qui a été fait pour la session passée. Donc pour moi, je me dis, c'est bien si ils continuent comme ça, chaque fois, chaque session, ils viennent demander, on leur fait la restitution et ils échangent comme là, on l'a fait. Je vois que ce sera une bonne chose. Ça va nous écarter de beaucoup de choses. Ça ne va pas nous exposer. Vous allez vous limiter seulement à la Non, on est là pour tous les journalistes. C'est en dehors de la presse parlementaire, il y a une autre organisation de journalistes qui m'invite et je vais aller pour un peu donner la matière, pour un peu échanger, pour un peu insister surtout sur l'éthique et la déontologie. Parce que c'est ça le problème que nous avons à l'Union. Si vous allez à la commission de discipline de l'Union, ce sont les mêmes plaintes qui tombent. Parce que les journalistes ne veulent pas respecter notre code, qui n'a que 21 articles. Donc c'est ça tous les problèmes que nous avons. Quand le journaliste doit se protéger lui-même, se protéger, c'est respecter la déontologie. Respecter la déontologie, c'est se protéger. Pour éviter des plaintes par-ci, par-là, dans des cours et tribunaux. Donc, c'est un peu ça. Merci pour la question. Nous avons tenu à organiser cette activité aujourd'hui avec tous les membres de la presse parlementaire, même ceux qui ne sont pas membres. Et vous savez, nous sommes pendant la période électorale, la période où le journaliste doit savoir quoi communiquer, quand communiquer et pourquoi communiquer. C'est pourquoi nous avons invité le président de la commission des cartes et d'identité professionnelle pour nous parler de l'éthique et de l'ontologie. Deuxièmement, nous avons voulu que les journalistes qui ont couvert toute la session de septembre puissent
bénéficier de toutes les matières peut-être qui n'ont pas bien saisi. Et c'est pourquoi nous avons invité aussi l'honorable scolastique Mahindo pour nous faire la restitution de toute la session. Nous voulons passer le message plus particulièrement aux journalistes et membres de la presse parlementaire. Nous ne sommes pas là seulement pour couvrir les activités parlementaires. Nous devons aussi bénéficier nous-mêmes de matières parlementaires. Parce que être proche des parlementaires, si vous ne maîtrisez rien, et vous êtes même en difficulté pour poser des questions. Alors, c'est pourquoi nous avons voulu que les journalistes bénéficient de cette formation. Et c'est pour leur intérêt. Non. Il n'y avait pas seulement la presse écrite, il y a la télévision. Il a été récompensé au moins. Oui, peut-être la majorité. Bon, notre corporation est composée beaucoup plus de journalistes en ligne. Ils sont nombreux et que la télévision et la radio. Mais la télévision était là, les télévisions étaient là et puis le YouTube et consorts. Mais les médias en ligne sont nombreux dans notre corporation. Mais les portes sont grandement ouvertes à tous les médias, à tous les journalistes, de la télé, radio ou médias en ligne. Beaucoup, chers confrères, parce que ce n'est pas seulement moi-même, j'ai imprimé mon président provincial à INPC, Jean-Marie Bassa. Merci vraiment, mon loulou, il est très bien, parce que j'ai vu que mon loulou, presse parlementaire du Congo, c'est là qui organise mon loulouango. Nazo Bosanate, Kopesa, merci. Na motel Melmo Kambia Asbel Oyo, la presse parlementaire, Justin Kifuta. Na pese vraiment merci Mingi. Et longo na groupe Nyonso. Pe na Bosani pe Kopesa pe merci. Na groupe Nyonso bakambi Nyonso ya INPC. Oyo ezali ko sala ko confirmer journaliste congolaise. Pour aux la journaliste congolaise, il faut la enregistrer na INPC. Qui vraiment qui toko makasi honorable a expliqué biso nyonso biso to kenda ko sala na parlement nyonso za qui vraiment au clair pe na suka na yango na sepeli mingi parce que c'était une surprise. Je savais pas que lelo na ko mérité vraiment diplôme oyo ba pesinga mon côté ba pesi biso nyonso ba journaliste parlementaire o vraiment to kamba ka musala ngo na kitoko nyonso na lomieme. Pour mériter qu'on soit certificat oyo. Alors qu'on soit certificat oyo, sentiment sentiment nanga nazana ngo vraiment ezaya parce que vraiment je me suis vu que je suis vraiment considéré. Je suis considéré parce que na sala musala peut-être na bandai komi yebate que non baninga batala kanga ba o ba kamba ka presse ba konzi ali kolo bazotele mais la presse congolaise na ebaite que batia rapé misu na musala tozali ko kamba diplôme tozui lelo. Ba pesinde na baye nyonso ba journaliste nyonso ba sala vraiment musala na busolo. Na musala na busolo andeni ya kofinga te ko informer peuple. Hein? Tozo respecter éthique na déontologie ya communication. Yango nde ba pesi biso ba diplôme oyo. Yango na zaipe ko lobena ba o bazui yango pete ba mitungisa te. Oyo ba pesi biso pona kosukisa 2022. Nous avons sali pona mbula ya 2022 na suka na ngo yango nde to mérité ba pesi biso ba nyoso ba kambaki musala vraiment na kimia vraiment actif na musala na bango yango nde ba pesaki bango diplôme ba o pe ba zui pété 2023 yango yo ba kamba pe musala na kimia na boto si nyoso. Être journaliste c'est pas seulement pour injurier les gens. Être journaliste c'est pas au comme politicien au comme fanatisme ya mutu moko boya pesi mbongo. Après, ok, aux 8 micros, bandu kofinga. Dans mon motel, il y a presse, il y a mes excuses. Motel, il y a INPC, à l'obéli, biso mingi. Na eloko, tobenga, kaba journaliste, que coupage. Que ceux qui ont sali interview, na moutou, au bandu obligé, kape sa coupage. Ceux qui ont pesé au coupage, te, au bandu kofinga, yé, au bandu koloba n'importe quoi, au ligno de mentir. Ceux qui ont pesé au coupage, ceux qui message, les alaki, y a mabe, et zo pesa avantage, te, na RDC. Par rapport à la coupage à Pessinga, je n'ai pas de mentir, je n'ai pas de dire que le message est un message, il est un bébé, il est un bon. Il y a un sensibilisé par les journalistes, c'est que tout le monde a un caractère. Les journalistes ne sont ni pour ni contre. Le message est que le meilleur V, vraiment, na bandela d'abord, na mokambi ya mboka, président Félix Tshisekedi, et le nom de Maman Denise.
bonne fête à vous. Na bosani pété, hein, président, ancien président Nabiso Joseph Kabila na maman Olive. Na PCP Bango meilleur V. Président Fayoul meilleur V. Nani mwana mboka Moïse Katumbi meilleur V. Ce qui n'a pas passé ma meilleure vie, c'est pour collecter les journalistes à Zakani pour ni contrôler. Binonyoso, tu as l'air d'apprendre que le Bakabasango n'a bino. Meilleure vie, n'a pas journaliste nyoso, n'a pas congolais nyoso de père et de mère. Meilleure vie vraiment est belle. Du chef. Et quand on dit de, on parle de commissaire du chef, on voit le chef de l'État Fatih Béton, Fatih 13, puisque tous apprennent à combattre Félix en 2023 à Eli. Ça c'est un engagement de toujours soutenir et puisque le pays est menacé, on doit rester quand même. Toujours ça l'apologie ennemie. Il faut tout ça l'apologie. Il y a Bakonzi Amboka dans le bus. Pour tout bien en 2023, c'est plutôt accompagner Bakonzi Amboka. Tu dis qu'aux oreilles de tiki et d'anthologie ahwa, au Italie Makamu Amboka. Tout ce pays m'a une initiative du président Justin Kifuta, initiative de Jean-Marie Bassa, ba continuons sur ce pays qui est dans l'espace Elle et moi, tout ça félicité dans mon thème. Journaliste, ba Zobongo, ba le Kanako, Sombitien, ou ba le Bango, la Lingala, Mambi Matali Bongo, éthique et d'anthologie journalistique. Mais bon, il y a un peu de temps, il faut que tout le monde en Zambie, le Congo est menacé, Darama. Congo est à Chilombo, Congo est à Jean-Pierre Bemba, Congo est à Kifuta, est à Jean-Marie Bassa, est à Narcisse, est à Olivier, est à donc tout le monde. Congo est à Congo na biso. Bah mon but baléka batikamboka oyo, bah kasafu baléka batikamboka oyo, bah lumu baléka le loi à tour na biso. Le loto est boué te oko zoi tiki d'anthologie. Pardon, bande kona biso, oh baza musika bazoi baté. Bande kona biso baza musika bazoi baté. Tozui diplôme oyo. Certificat autozu ya moya distinction za pour la musala to sala ki yango to di certificat za pour to accompagner to bande ko accompagner ba 23 at puisque to bande ko sala apologie ou soit te ou kumisa monguna te ngela ki pour la musala to sala yango na mobu oyo ti koleka bilo pe bande ko o bozo sala musala ya ko panza sango ba panza sango lokola masengu wa lo belaka mo tata mo konze ko ngwa nyoso ko mona ina bilili ngwa nyoso ko yoka ka epe mena tata mo konze ko lo. Alors, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et si on a la barrière, tout le monde a été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été parcelles privées. Si on a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des locataires qui ont été en train de se faire. Ne Congo ezalaka. Yango na tolo bake boya to sangana to sombitinya maele sika moko to tonga Congo na biso kende liboso. Congo eza Congo ya kifuta emoko te eza Congo ya Jean-Marie Bassa te. Eza Congo ya Darama te. Eza ya Masengu narcissiste. Eza Congo ya Olivier Obuena Bwete. Eza Congo ya ba Congolais bandeko. Boya na occasion oyo lelo toza bongo le 7 le 8 te maman. Le 7. Le toi le 7. Boya to sangana na diplôme oyo ba pesi biso na grande distinction. Boya to sangana to travailler pour na Congo to sangsa mayele to lukande ni bituma to zoka sango ye kende na zela kaka ya mandoki zoka ndepe na koloba to kosala pe effort to bengali pe munguna kana maloba bino mako bozana lisese na kati ya bible oya ba maba kalo kito makolo na bango e bengana ki ba syrien ba kima ki pe batika ki mboka polele et puis ba tamboka ba ki koya ba zubiloko ba le les histoires des biblique. Merci beaucoup na pesi na bino ba bino na bande ko boza sima bilili. Ata boza komona na te kasinaibi ke no Josué Azawana na ipe ke Dieu merci Azawana Olivier pe matota Azawana boza sima bilili bozola na biso mais sauf ke bol excellent ko na biso pa na ba konzi mboka ba mona yango ba iba ke no vraiment pe ba cameraman plus fort et les héros dans l'ombre les réalisateurs du chef Azawana oh bazo na merci beaucoup maman Narcisse pour les akima lobana kutaki na kote na yo. Ok, merci beaucoup. Na bosani pété pour na disu côté mais la mingi na zo beta cété. Na bande ko ba journaliste ba si ba la team communication et comité ba ke et comme le ko là, héritage familial.
tâche familiale et à soyez mouton à bandit politique à l'élo parce que na fingité ba parti politique et ça n'a qu'à ça à kobota ma du jour au jour. Bolali bolamouki beaucoup de parti politique et c'est botamaki. Olamouki ka boye au télémi pan au bandit. Est-ce que ba pession bon au coto au télémi au bandit au finga na yo. Bandaki politique liboso bandiko fingo bandiko critiquer parce que ba pesa ki ombongo parce que za journaliste ba ndeko nanga ba concerne ba confrère botika comportement wana vraiment bozo fing sa media mingi dans zo télé melabino to kamba musala na biso vraiment na kimia to kamba musala na biso vraiment na kimia pomboka na biso e mona façon ko zwa image ya sika to lunga na distraction. Tout ça, c'est vraiment ma vie. Il y a 5 ans abiso, pour nous faire la université. Pour nous faire la façon dont nous avons fait le micro, pour nous faire la langue. Journaliste, c'est un politicien. Journaliste, c'est un dépôt pour nous informer. Tout ça, c'est un dépôt pour nous faire. Ok, na lingi bino vraiment mingi, c'est Ngai Wabino, Narcisse Masengo, la DG à ma solo, na peuple. Je vous aime beaucoup. Africa cool, et ben cool. Ouais. Africa cool, et ben cool. Le quoi cool ma topi. Africa cool. Toujours, toujours, toujours. Africa cool, toujours, toujours. Africa cool. C'est bon. Et sa chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et sa chaîne monko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous sommes en train de nous inscrire. Donc, ils ont vraiment été au Balobakaki. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc, Eza et Loronabiso, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Il y a une chaîne où Eza impartiale. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours. Voilà.